Bonjour, bienvenue à notre toute nouvelle émission « L'horticulture dans tous ses états ». On est à Beauport, sous un soleil de plomb, puis on va rencontrer une horticultrice qui travaille dans le milieu des centres-jardins depuis 8 ans. Je vous présente donc de ce pas ma petite sœur Marthe Robineau. Allô! Bonjour! Bonjour Marthe! Ça va bien? Oui! Oui! Oui, bon, hey, oui. Hey, on vient te rencontrer chez toi parce qu'on voudrait avoir des conseils en ce qui concerne l'horticulture en général. Puis, sachant que tu es très, très documentée là-dessus, on va commencer, je dirais, d'emblée, on est en août. Oui. Il y a des choses à faire au point de vue pour préserver nos plantes, ceux qui sont en plate-bande, oui, puis ceux qui sont à l'intérieur. Oui. Puis bon. Mais là, vu qu'on est dehors, on va commencer par l'extérieur. Ben oui, c'est sûr. On fait quoi, là, à ce moment-ci de l'année? Là? OK. En août, il y a un phénomène qui se passe dans la nature en général. Ça s'appelle la période d'aoûtement. D'aoûtement. C'est pas pour rien, c'est parce que ça se passe en août. C'est l'aoûtement. Toutes les plantes commencent à se préparer pour faire leurs réserves pour passer l'hiver. Fait que la saison de croissance, elle est terminée. OK. Elle est terminée. Fait qu'à ce temps-ci de l'année, on ne met plus aucun engrais de croissance à nos vivaces, à nos... les annuels en bac, ça, c'est différent. Quand on a des bacs à fleurs au balcon, on fertilise jusqu'à temps que les gels détruisent le bac, oui. OK. Ça, l'annuel, c'est différent parce qu'elle fleurit juste une année, fait qu'on veut l'avoir en fleurs le plus longtemps. Ouais. Mais tout ce qui est vivace, arbuste, arbre, gazon, on ne donne plus aucun engrais de croissance. Okay. On commence à partir du mois prochain avec un engrais d'automne. OK. Habituellement, ça va être l'engrais à gazon qui va être donné aux vivaces, aux arbres, aux arbustes. C'est la formulation est idéale pour toute la végétation extérieure avec la formulation d'engrais d'automne qui est habituellement 6, 9, 15, des choses comme ça. C'est un granulaire qu'on épand sur le gazon, donc on l'engarroche dans les plates-bandes au pied des arbres. Oui, aussi simple que ça. Ah, bien, pour les jardiniers, on va dire comme on dit, quelqu'un disait, pour les jardiniers paresseux un petit peu, là, c'est moins oui, c'est moins oui, bien, même en centre jardin, les gens viennent pour les haies de cèdre. Ils veulent avoir un engrais pour les haies de cèdre. On ne met plus d'engrais de croissance à ce temps-ci de l'année. On met l'engrais à gazon. OK. C'est parce que les trois chiffres indiqués, dans tous les engrais, les trois chiffres qui sont indiqués, c'est la teneur en pourcentage. Le premier chiffre, c'est l'azote qui sert à la croissance végétative, feuillage. Le deuxième chiffre, c'est le phosphore qui va servir à l'enracinement et qui va agir sur la floraison. Okay. Et le troisième chiffre, c'est le potassium qui va agir sur la floraison aussi, mais surtout mûrissement des fruits. Et résistance aux maladies, turgidité des tiges. Turgidité, c'est que ça mange en hiver, la raideur. Ça, turgidité. La raideur. OK. La raideur des tiges, la force et la résistance aux maladies. OK. Fait que c'est de cet élément-là, le potassium, que les plantes ont besoin en automne. OK. Il y a des fleurs qui vont, des plantes qui vont fleurir en automne et en août, même s'ils sont en pleine floraison. On ne met pas l'engrais à fleurs quand même, parce que la plante a besoin du potassium et le potassium va agir aussi sur la floraison. Comme l'hydrangée qui est ici, là, elle est en fleurs à partir du mois d'août. Elle commence sa floraison jusqu'au gelé. C'est l'hydrangée paniculata. Elle, on ne met pas d'engrais. On met pas d'engrais à fleurs parce qu'elle est en fleurs. Parce que c'est son rythme à elle d'être en fleurs en août. Et vu que le potassium agit autant sur la floraison que sur la résistance puis la capacité de la plante de faire ses réserves, on y va avec l'engrais fort en potassium qui est simplement l'engrais à gazon d'automne. Oui. Hey, on va revenir à nos plantes d'extérieur. Oui. J'aimerais bien que tu me parles de toi un petit peu. Ta formation, tu l'as fait où? Puis qu'est-ce qui t'a amené dans le milieu horticole? Dans le milieu horticole, Bien, c'est une passion, je pense, pour le potager en partant. OK. J'ai toujours aimé ça, j'ai toujours eu un petit jardin.
Puis de fois en fois, ben je voulais faire mieux, puis je voulais avoir mieux. Fait que pour moi-même, personnellement, je voulais me perfectionner pour perfectionner mon jardin. Fait que je me suis inscrite à des cours en horticulture maraîchère. Fait que j'ai fait une formation, un DEP en horticulture maraîchère écologique, dans mon seul but principal de me satisfaire. pour le plaisir. Pour le plaisir, oui. Puis ensuite de ça, bien, passer le potager, bien, j'ai toujours eu des petites plates-bandes aussi. Puis l'opportunité s'est offerte d'avoir un cours en horticulture ornementale pratiquement quelques mois tout de suite après que j'ai eu fini ma première formation. Je me suis inscrite. Fait que j'ai fait une autre formation, un autre DEP en horticulture ornementale. OK. Puis à ce moment-là, t'étais pas ici à Québec? Non, j'étais en Abitibi à ce moment-là. Oui, j'ai fait ces formations-là en Abitibi. OK. Puis là, ça fait combien de temps que t'es... Là, je me suis emmenée à Québec. C'est ma 8e année à Québec. Puis c'est la première année là, que je suis arrivée, vu que j'avais des formations en horticulture. Ici, il y avait beaucoup de centres de jardin très connus. J'ai apporté mon CV. J'ai appliqué pour une offre d'emploi dans un centre de jardin. J'ai décroché l'emploi tout de suite. Puis j'ai fait les deux premières saisons. La première saison en pépinière, puis dans le secteur annuel vivace. Puis l'année d'ensuite, ben, un poste s'est ouvert dans les serres de plantes d'intérieur tropicales. Fait que j'ai appliqué pour le poste. Puis là, ça fait ma 7e année là, que je me concentre dans la tropicale d'intérieur. T'es aussi maniaque que moi. Ça arrête plus. T'es aussi maniaque que moi, tu vas faire tu vas te ramasser avec une serre dans ton salon. Ça fait longtemps que c'est fait. c'est une passion, là. Ça se développe, ça arrête plus, là. Une passion, Fait que j'arrête pas autant au potager. J'ai quand même un petit potager. Je cultive des plantes sur le balcon. T'avais fait des petits reportages à un moment donné, bien, des petites chroniques sur tes blogs, là, sur... jardinons à Balconville. Comment cultiver en pot et avoir des bons résultats. C'était vraiment intéressant. J'ai fait beaucoup de tests d'expérience, d'essais, je dirais, réussite, échec. C'est sûr, on fait des échecs. Avec quelques petites affaires assez spéciales, comme tes petits piments rouges, mes petits piments assez caractéristiques. Mes petits piments Peter Pepper, des petits piments forts, très forts. On en montrera quelques images à l'écran pendant qu'on parle. Des petits piments forts qui est assez productif, puis avec un petit look assez particulier qui fait rire. Ça fait sourire. Ça fait sourire, mais c'est des très bons piments. Des piments forts. Puis t'avais des tomates aussi assez. J'ai fait des tomates au balcon, des tomates au potager. J'expérimente pas mal toutes. Les fines herbes au balcon, j'ai réussi assez bien. Fait qu'on va revenir à nos plantes d'extérieur, là, dans ce temps-ci de l'année, qu'est-ce qu'il y a à faire avec on a parlé des fleurs un peu. Fertilisation, on disait qu'on fertilisait plus dans la croissance. Y a-t-il d'autres particularités, d'autres soins particuliers à apporter, mettons, comme aux arbustes, aux vivaces? À ce temps-ci, non. Pas vrai, non? Pas non, il est trop tôt. Okay. Il est encore trop tôt parce que les plantes, ils ont tout leur feuillage encore. On ne touche à rien. Plus tard à l'automne, après les premières gelées, quand les feuillages vont être tous tombés, il y a des plantes qu'on peut tailler, il y a des plantes qu'on ne taille pas. Tout ce qui est arbuste à floraison printanière. Tout ce que vous savez que vous avez dans votre jardin, dans vos plates-bandes, qui fleurit tôt au printemps, vous ne taillez pas ça l'automne. OK. Parce que vous allez compromettre votre floraison du printemps. Ils sont déjà prêts pour fleurir au printemps. Un arbuste qui fleurit au printemps, on le taille tout de suite après la floraison, au printemps, début d'été. Quand sa floraison printanière est finie, c'est là qu'on taille. Après ça, on ne touche plus à rien. Les arbustes à floraison estivale, qui vont fleurir dans le milieu de l'été puis tout l'été, plus un peu comme le physocarpe Diabolo à feuillage rouge, il fleurit plus en été. Il est un petit peu indifférent à la taille, mais c'est pas nécessaire de le tailler à l'automne. S'il y a besoin d'une taille juste de formation pour le garder compact, c'est préférable de le tailler un petit peu à la fin de sa floraison.
OK, OK. Puis sinon, les autres arbustes, habituellement, on peut l'entailler plusieurs à l'automne, qu'on peut les rabattre, un peu comme le petit saule ici. Là, lui, sa caractéristique, c'est le feuillage coloré qui est toujours sur les nouvelles pousses. Fait que si on veut ce feuillage-là, il faut le tailler pour favoriser les nouvelles pousses. Parce que le feuillage vieillissant est vert. Il change, il fonce. Il devient juste vert, il n'y a plus de coloration. Okay. Fait qu'à l'automne, lui, on le rabat. Puis au printemps, il ressort avec ses nouvelles pousses toutes colorées. Bon. Fait que ça dépend de la, c'est la particularité, c'est l'arbuste que vous avez. C'est sûr que ça, avec des, dans les bons centres de jardin, vous pouvez vous informer avec la variété. Assurez-vous de savoir la variété. Mais quand vous savez à quel temps fleurit votre arbuste, habituellement, vous savez quand le tailler. Avec nos plates-bandes, les plates-bandes de vivaces, oui. Qu'est-ce qu'il y a à faire là, à l'automne, mettons, ben, à ce temps-ci, puis à l'automne, mettons, okay. pour protéger nos plantes? OK. Habituellement, les vivaces, une vivace qui va être zonée, qui va être bien zonée okay. Pour notre région, habituellement, cette plante-là n'a pas besoin de protection. Ça me fait penser pas justement aux protections hivernales. Ouais. Ce qui va demander des protections, c'est une plante qui va être trop fragile pour la région où elle est plantée. Quand vous achetez une plante, vérifiez toujours, bien souvent, habituellement, c'est indiqué la zone de rusticité. Ouais. À Québec, on est en zone 4B. C'est sûr que si vous achetez une plante qui est zonée 2, il n'y a aucun problème. De zéro à aller jusqu'à votre zone, okay. vous n'avez pas de problème de protection. Okay. Montréal est zonée 5. Okay. Une plante zonée 5 à Québec qui est zonée 4B, elle va peut-être avoir un petit peu plus de misère à passer l'hiver parce que sa rusticité est plus faible. Okay. Fait que si vous allez au-delà de votre zone de rusticité, là, ça devient des plantes fragiles parce qu'ils ne sont pas au bon endroit. Ça me fait penser. Genre les rosiers hybrides de thé. Tout okay. ce qui est rosier hybride de thé demande une protection hivernale. À ce moment-là, on va tailler le rosier, on place un cône en styromousse avec un poids dessus pour pas que ça parte au vent, puis on les protège avec un cône à rosier. Il va y avoir des protections aussi hivernales pour certains petits arbustes, justement, s'ils ne sont pas zonés ou plus fragiles, ou dans des zones urbaines où on sait qu'il va y avoir de la neige qui va être poussée là, où on peut mettre des clôtures. Mm-hmm. Là, c'est tout ça qu'il faut penser, là, à quelle protection qu'on va mettre. Puis, à le moment pour installer les protections, jamais installer vos protections trop tôt. OK. Tant qu'il n'y a pas gelé, c'est risqué d'installer des protections hivernales. Parce que s'il se remet à faire beau, le soleil va chauffer, ça va surchauffer en dessous de la brise. C'est faut pas attendre. Une bonne idée. Y a-t-il un degré de nuit là, qui tombe? On peut se fier aux premières gelées puis aux premières neiges. Là. Okay. La terre n'est pas encore gelée. Okay. C'est encore le temps de planter des piquets. On est capable mais on est habituellement assez certain que l'automne est pris pour de vrai. Là, c'est pas mal le meilleur temps. De tomber des premières neiges. Oui, c'est pas mal le bon temps pour installer des protections hivernales. Ouais. Dans les vivaces qui sont bien placées, rustiques pour notre région, beaucoup de gens vont faire un beau ménage de leur plate-bande à l'automne. On ramasse tous les résidus, on taille ça ras du sol. Ce n'est pas une bonne idée. Parce que tout ce qui va être laissé en place, autant en débris végétaux que en graines, en semences. Je pense aux échinacées, aux rudbeckies qui font des belles boules de semences au bout de la tige. Si on les laisse là, les semences vont tomber, ça va se ressemer. Plant va profiter d'année en année parce qu'il va avoir des nouvelles repousses. On les laisse là, puis souvent, ça attire des petits oiseaux aussi, c'est joli. ça les fait leur petite nourriture d'hiver. Et les tiges de plantes gelées, secs, mortes, vont favoriser l'accumulation de la neige. On sait que la neige, quand ça rencontre un obstacle, ça monte. Accumule, s'accumule rapidement. Le meilleur isolant que la plante ne peut pas avoir, c'est la neige. C'est la neige. La neige, c'est le meilleur isolant. Plus les feuilles qui vont être couchées au sol, ça protège. Encore. C'est double protection pour les racines de votre plante. OK. Je l'ai déjà essayé. J'ai déjà fait ça moi aussi personnellement, nettoyer les plates-bandes à l'automne. À l'automne.
Ça a été un hasard que je le fasse pas un certain automne, que j'ai pas eu le temps. OK. Et je me suis rendu compte que l'été suivant, mes vivaces étaient tellement belles. Ben oui. Parce qu'il y avait eu un hiver beaucoup moins rigoureux, parce qu'il y avait une meilleure protection. Fait que j'ai complètement cessé de nettoyer l'automne. C'est sûr qu'esthétiquement, bon, on se dit c'est peut-être moins beau, le feuillage mort, le feuillage jauni, bruni. Ouais, ouais, ouais. Mais pour les plantes, c'est vraiment double protection. Un gros plus, oui. Parce que pendant que tu me parlais des plantes puis des protections, là, j'étais en train de repenser à mes échinacées que j'avais tenté de cultiver en Abitibi. OK. Et je les ai perdues. OK, bon. Ben, ça, c'est parce que c'est zoné. En Abitibi, c'est zoné quoi? En Abitibi, c'est à partir de zone 2B, 3B. 2B, 3B. Avec genre l'Estrie puis... Oui. C'est énorme. Sûr. Mais l'échinacée, je pense qu'elles ont 3B ou 4. C'est sûr qu'on peut y choisir un milieu quand vous avez une plante plus fragile comme ça qui n'est pas dans sa zone. Oui, oui, oui. Il faut à ce moment-là choisir un emplacement où ce qu'on va lui donner le maximum que sa zone lui donnerait en temps normal. Okay. Ça veut dire le maximum d'ensoleillement, le maximum de protection des grands vents, okay. Le maximum d'accumulation de neige. Si on sait qu'il y a un coin de la maison, cet endroit-là, à chaque année, la neige se ramasse là, c'est épouvantable, mettez-la donc là. Parce qu'elle va être la première à avoir la protection hivernale. En dessous de la neige, il fait zéro. OK. C'est immanquable, il fait zéro en dessous de la neige. Le sol est gelé à zéro, c'est le point de congélation. Le sol est à zéro, la terre est à zéro, tout est gelé, mais c'est à zéro. C'est au-dessus de la neige qu'on subit les moins 20, les moins 30, les moins 40 avec les vents. Mais en dessous, c'est juste gelé. OK. Fait que partout où il y a une bonne accumulation de neige, c'est l'idéal. Il fait zéro, pas plus que zéro. Les racines sont en hibernation totale, complète, mais sans agression. Ils sont vraiment protégés des gros gels qui peuvent vraiment tout casser les racines, tout faire éclater les racines. Ouais. Mettons, dans nos camps, ça a tout fini de fleurir, nos plates-bandes de vivaces et tout, là. Oui. Y a-t-il des fertilisants, quelque chose qui automne. Fertilisants d'automne. Bien, même à ce temps, comme je disais un petit peu tantôt pour les gazons, à partir de septembre, vous épandez un engrais d'automne sur votre pelouse. Vous étendez votre même engrais au pied des arbres, dans les plates-bandes, engrais d'automne pour pelouse, habituellement formulation 6-9-15, vous étendez ça dans vos plates-bandes, pendant que votre plante est encore en feuillage. OK, OK, OK. Même une plante, il me vient à l'idée les lys japonais, les lys orientaux, qui, habituellement, à ce temps-ci de l'année, ont fini leur floraison, mais qui ont encore des belles grandes tiges avec des feuilles, c'est vert. On peut tailler les petites cosses de graines qu'il va avoir au bout, parce que c'est très long à partir aux semences, un lys, ça donne rien. Le bulbe, lui, dans la terre, il va se multiplier, il va grossir d'année en année. Okay. Vous enlevez les petites cosses ou ce qui étaient les fleurs qui vont faire des graines, vous taillez ça. Mais vous ne taillez pas la tige. Okay. Parce que la tige, elle est verte, elle est pleine de feuilles, elle continue de capter les rayons du soleil, elle fait ses réserves pour l'hiver. Ouais. Le bulbe fait ses réserves. Okay. Tant qu'il y a du vert, il y a de la vie, on ne taille pas, on ne coupe pas du sol. Une vivace qui a toutes ses feuilles vertes, vous ne coupez rien. La vivace va geler au sol à chaque année. Ce qui est en dessous... Ce qui est en dessous, la racine, elle tombe en dormance et elle repart du sol à chaque année. Okay. Fait que le feuillage, on s'en préoccupe pas et on ne taille rien tant que c'est vert. Ça va geler jusqu'au ras du sol. C'est pas comme un arbuste. OK. L'arbuste, il faut vraiment l'abrier. L'arbuste, ça dépend si vous ne l'abriez pas, s'il est zoné. S'il est dans sa zone. OK. Oui, comme l'hydranger qu'on parlait tantôt, qui est en pleine floraison en ce temps-ci d'année. Pas besoin de protection hivernale pour cette plante-là, elle est zonée pour ici. OK. La différence, c'est ça. La vivace va geler au ras du sol. L'annuelle meurt, elle ne revient pas. OK. On parlait un petit peu, différence. Parce qu'il y a des
personnes avec qui je jasais puis qui ont de la difficulté à faire la différence entre une vivace, puis une annuelle, puis ou une bisannuelle. Une biannuelle, là. Oui. Peux-tu nous décortiquer ça un petit peu, là? Un petit peu, oui. Un petit peu, là. La vivace, elle a un cycle de vie qui va aller, de tout dépendant des variétés de plantes, de 5 à 25 ans. OK. La racine ne meurt pas. Si elle est dans des bonnes conditions, comme je disais tantôt, ouais, dans sa zone, si elle n'est pas dans sa zone, qu'elle est bien entretenue, protégée, la racine est toujours en vie. Elle tombe en dormance à chaque année. OK. Le feuillage va geler au sol, mais elle repart de la base à chaque année. Elle est vivante, la racine est vivante, elle reste en vie. Elle est vivace. L'annuelle, elle a un cycle de vie annuel. Annuel. Elle pousse, elle fait des fleurs, elle fait des fruits, elle fait des semences et elle meurt. Puis elle meurt. Bon, c'est fini. Ça vient de s'éteindre. Ça vient de s'éteindre. Elle a un cycle de vie d'un an. C'est ça. Okay. Où on récolte nos semences. Beaucoup ouais, d'annuels font des petites semences. Oui, on récolte oui, nos petites semences. Puis on... Tu ressèmes l'année. Mais il faut vraiment ressemer. Ouais, ouais, la ouais, biannuelle, elle a un cycle de vie de 2 ans. Biannuelle, 2 ans. OK. La première année, elle va faire un magnifique feuillage. Prends comme exemple le persil. OK. La finerbe, le persil, c'est une biannuelle. Elle va faire un superbe feuillage, meilleur temps de production pour la consommation, pour le goût, pour le persil, c'est la première année. La deuxième année, vous pouvez le laisser en plate-bande, la racine va survivre 2 ans. La deuxième année, il va repartir. Il va refaire du feuillage, moins dense, moins fourni, et il va faire une fleur. Ah. Il va partir en floraison. Puis là, il va faire des semences. Fait que si vous voulez récolter vos semences de persil, qui est une biannuelle, vous le laissez en terre, il va repartir la deuxième année. Le feuillage est beaucoup moins savoureux, par exemple, la deuxième ouais, okay, année. Puis il va être moins fourni, mais il va faire ses fleurs, puis c'est là qu'on garde nos petites semences pour s'en ressemer. Fait qu'il y a un cycle suivante de vie de 2 ans. OK. Les annuelles, il y a certaines annuelles qui sont quand même considérées comme annuelles, mais que si on les calcule dans leur pays d'origine tropicale, ouais, parce que la plupart des annuelles sont des plantes tropicales, okay, ils vont vivre à l'intérieur. Fait que ces plantes-là, je prends comme exemple un brugmansia. Ceux qui ne savent pas c'est quoi un brugmansia, mmh, vous en avez sûrement vu, c'est un arbuste qui fait des énormes feuilles et des grosses fleurs en cloche. Oui, des grosses oui, fleurs, c'est long comme ça. Oui. C'est des énormes oui, fleurs, toutes retombantes comme ça. Oui. Dans la même famille, il y a le datura, qui est une plante très toxique. Oui, c'est la plante est toxique, par exemple. OK. Mais oui, c'est spectaculaire. C'est un arbuste tropical qui, dans son pays d'origine, vit à l'extérieur, été comme hiver. Les hivers sont différents. Oui, oui, oui. Ici, il se cultive excessivement bien à l'extérieur l'été, en pot ou en pleine terre, okay, mais si vous le laissez dehors, il va geler, il va mourir. Il faut le rentrer à l'intérieur à l'automne. Puis on lui fait passer l'hiver à l'intérieur. Okay. Parce que c'est une plante qui est habituée sous les tropiques. Mm. Donc, il faut lui donner une température un petit peu plus dans sa zone. Là. Ouais, ouais, non, ouais, l'hiver, ben comme... le gel et la neige, il ne connaît pas ça, il va mourir. Oui, oui, oui. C'est comme je pense à mes... J'ai un gros pot de grès sur mon balcon, oui, puis j'ai des plants de géranium. Géranium se cultive très bien à l'intérieur. Il y a 2 choix. Soit qu'on rentre le plant au complet, OK, qu'on le garde en pleine croissance, dans une fenêtre très ensoleillée. Il va peut-être s'étioler un petit peu, il va mm-hmm, peut-être faire des petites pousses un petit peu verdâtres, ouais, molettes ouais, pendant ouais, l'hiver. Okay. C'est pas grave. On peut le maintenir en vie au plein soleil, mais il y en a que si on le soleil du sud complètement, il va même fleurir pendant l'hiver. Ah oui? Oui, oui, oui. Ou la deuxième solution, si vous voulez pas rentrer votre énorme pot, ouais, vous faites des boutures. Des boutures? Des boutures. Vous coupez des petites têtes. Oui. Plein de petites têtes, de vos petites têtes de feuillage avec trois, quatre feuilles que vous plantez dans des petits pots, que vous allez rentrer vos petits pots. Fait qu'au lieu d'avoir un énorme pot, vous pouvez avoir une série de petits pots oui, avec vos petites boutures dedans. Hey, ça, que on vous allez revenir là-dessus. Le bouturage, oui. Le bouturage, là, ça,
c'est le fun. Puis, et qu'on sauve des sous! On sauve des sous, parce qu'on n'a pas besoin de racheter d'autres plantes. On en repart des nouvelles. C'est ça. Oui. C'est ça. C'est assez facile. Plusieurs plantes se bouturent très bien à l'automne comme ça. Si on ne veut pas entrer des gros pots, si on n'a pas la place, ben là, c'est ça. On fait des petites boutures qu'on va garder. Puis j'imagine que c'est le même principe. On ménage les engrais, même si on rentre nos plants à l'intérieur. On ménage l'engrais, là, on y va mollo. Bien, la bouture, c'est sûr qu'il va falloir y donner quand même une certaine période, beaucoup d'éclairage. Puis un engrais d'enracinement pour être sûr que ses racines se développent comme il faut. Puis après ça, dans les journées les plus courtes d'hiver, là, habituellement, là, on y va mollo pour l'engrais. Mm-hmm. Oui, là, c'est ça, ça serait une autre phase là, qu'on entrerait dans la fertilisation des plantes d'intérieur. À ce moment-là. On parlait de persil, de fines herbes tantôt. On fait quoi avec le reste de nos fines herbes si on en a? OK. Si vous les avez cultivées en plate-bande, il y a certaines fines herbes qui sont vivaces. OK. Comme la... La ciboulette est vivace. L'origan est vivace. Il y a la mélisse qui est vivace. Il y en a plusieurs. Il y a des vivaces tendres, il y a des biannuels, puis il y a des annuels. La plupart des fines herbes que l'on cultive, que l'on aime dans nos jardins, je parle d'origan, marjolaine, sarriette souvent, le thym, le basilic, le persil. J'étudie la ciboulette, oui. Oui! La ciboulette, OK. Moi, je cultive personnellement, je cultive mes fines herbes en pot. En pot. Sur mon balcon. OK. Parce que je les ai à portée de main. Ouais, je trouve ça génial. Oui. Puis j'ai des très bons résultats en pot, peu importe qu'elle soit vivace, annuelle ou biannuelle. La ciboulette, elle est vivace. S'il n'y a aucun problème à en mettre dans le jardin, elle va revenir à tous les ans. On peut rentrer la plupart de nos fines herbes à l'intérieur. Le romarin, on appelle ça une vivace tendre. C'est une plante tropicale, le romarin. Okay. Il ne survivra pas l'hiver dehors. Il faut absolument le rentrer si on veut le conserver. Okay. Fait que c'est pour ça que dans son pays d'origine, il est vivace, mais pas ici, pas au Québec. Okay. Fait qu'on le garde en plante intérieure, on le rentre. Le basilic est une annuelle qui peut se cultiver une bonne partie. Ça dépend si votre plant est très gros. On peut soit le récolter ou le rentrer ou n'en ressemer, puis n'en repartir des nouveaux plants. Ils se cultivent très bien à l'intérieur. Le persil se garde très bien à l'intérieur. J'en ai déjà rentré. OK. Puis je l'ai gardé tout l'hiver. Puis vu qu'il est biannuel, vers la fin de l'hiver, il y a un petit ralentissement. Mais au printemps, en le ressortant sur le patio, il va refaire sa deuxième année avec sa floraison. Mais si vous en avez un tout l'été, rentrez-moi ça, laissez-les pas geler, rentrez-les avant qu'il fasse trop froid, mettez-les au soleil, puis vous allez avoir du persil frais tout l'hiver. Ensuite de ça, la ciboulette, la même chose, jusqu'à temps qu'elle, vu que c'est une vivace, je n'ai déjà conservé une pour faire un test à l'intérieur. Elle a eu sa période de repos. OK. En tant que bonne vivace, je l'ai eu quelques mois qu'elle était belle. Après ça, le feuillage s'est mis à jaunir. Quand j'ai vu qu'elle commençait à jaunir un petit peu plus rapidement, je me suis dépêchée à récolter tout ce qui était vert. Je l'ai rasé au ras du sol. J'ai diminué les arrosages, puis je l'ai mis un petit peu en retrait. OK. Elle a été 2 mois qu'il ne s'est rien passé. Je maintenais juste le sol légèrement humide pour pas que la motte se dessèche au complet. Hey, on a après tellement ça, ça de choses à se compter. Là. On est rendu à la fin. Il nous reste à peine une minute. On fait quoi avec nos pelouses? Septembre, fertilisation d'automne. Quand il va commencer? Les dernières tontes, c'est très rare. Ah oui? C'est les dernières tentes qu'on tond très ras pour éviter l'accumulation de déchets de pelouse qui vont moisir, qui n'auront pas le temps de se décomposer, qui vont geler. OK. Au printemps et en été, on garde toujours une bonne longueur sur notre pelouse pour la garder en santé. Il ne faut jamais tondre trop ras l'été parce que ça brûle. OK. Ça brûle. C'est à l'automne, les dernières tentes d'automne, quand ça commence à être très frisquet, on peut tondre très ras.
Tu vois, c'est drôle, j'aurais cru le contraire. Non, c'est justement pour éviter qu'il y ait des trop d'accumulation de résidus. Fait que c'est tout le temps qu'on a pour notre première émission. On va se retrouver la semaine prochaine avec un autre sujet puis avec d'autres belles surprises.